bisous. Bon allez. Ouh là, ça se coule. Bon allez, on se retrouve, on va aller poser aujourd'hui pour cette vidéo un petit bandeau au-dessus de mon 4x4, genre au-dessus du pare-brise. Je pense que ça peut être sympa. Donc on verra, c'est un petit bandeau noir mat. Et dessus, bah, y a l'inscription de la chaîne YouTube, donc ça sera marqué Catache Off-Road. Donc là, je m'y rends. Et puis on verra tout de suite ce que ça donne juste après. De base, on l'avait posé à sec, donc là ça allait faire bien, vraiment il était bien posé. Et moi, pendant que je tirais, enfin, genre je le tendais, lui avec la raclette, j'aurais passé. Et bilan de l'affaire, bah, quand tu tiens pendant, pendant 5 minutes, qu'est-ce qu'elle fait la vieille quand tu tiens pendant 5 minutes, bah, t'as tendance à tirer vers le bas. Donc il y avait un centimètre, un décalage d'un centimètre, donc il descendait un peu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a décollé, on a remouillé le pare-brise parce que sinon il faisait des plis. Et après ça, bah, on l'a recollé, sauf que du coup on l'a pas collé dans des conditions optimales. C'était pas... Il est fébrile. Et là, comme il pleut, bah, c'est pas non plus météorologiquement, c'est pas top, tu vois. Normalement, faut faire ça quand il fait beau. Là, il pleut, il fait 13 degrés. J'ai sorti la doudoune, on est en plein mois de juillet, c'est impeccable. Mais non, plus sérieusement, c'est vraiment pas ouf. Le rendu est beau, le rendu est beau. Je vais vous montrer ça genre après. Mais au niveau de la pose, on n'a pas trop géré. Donc, à tout moment, il se décolle. Et s'il se décolle, comme je lui dis, bah, s'il se décolle, moi je l'enlèverai et je recommanderai. Hein. Histoire qu'on le pose dans de vraies bonnes conditions, histoire qu'il tienne longtemps, parce que là je sais pas combien de temps il va tenir, genre au bout d'une semaine, à tout moment genre il lâche quoi, tu vois. Après, gars, c'est un enfer, du coup je ne peux même pas mettre d'essuie-glace. C'est terrible. Donc à l'aveugle comme on dit. Bah du coup, durée de vie du bandeau, à tout moment, genre j'avais dit en une semaine il se décolle, bah j'ai fait quoi? J'ai fait 5 bornes, même pas. Il est déjà décollé. Genre je l'ai vu dans le rétro, il est parti, il a fait bisous, allez, salut. Donc bah, je vais en recommander. Hein. Après la pose du bandeau qui s'est très mal passé, on est lundi, vendredi soir j'ai cassé mon bloc de pétrole. Là en ce moment je les enchaîne, tu vois, genre y a rien qui va, genre vraiment pas. En retirant un mec, le mec était planté, moi je descends dans le talus pour le déplanter. En remontant, donc j'avais mon véhicule à tirer, donc bah, son poids plus le poids du mec derrière. Donc j'ai creusé des belles ornières, j'étais planté, j'ai forcé pour sortir, parce que sinon je sortais jamais. Lui n'est pas sorti, j'ai cassé ma fourchette, parce qu'en fait, si tu veux, dans le capot avec l'électrovan, je vais faire une magouille pour essayer de désenclencher le bloc. Il ne voulait pas désenclencher, donc là, si tu veux, j'ai un bloc, je roule avec un bloc. Donc les ronds-points, c'est magique, c'est magnifique, je suis content, ça fait crac 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 crac, à chaque fois ça bouffe du pneu, ça tire tout droit, c'est la merde. Donc là je vais réparer tout ça, donc je vais voir ce que c'est, je vais voir pour combien j'en aurai aussi. Donc clairement là c'est la merde, donc je vais faire réparer ça et puis on verra bien. Bon, du coup ce qui m'inquiète le plus, les jeunes, c'est que vendredi soir quand je suis rentré chez moi, à chaque virage, ça faisait crac crac. Fermez la vitre pour qu'on s'entende mieux. Et que maintenant, là, plus les virages passent, moins ça fait de bruit. Alors que pourtant, j'ai encore le bloc, tu vois. Donc j'espère, je suis pas en train de niquer mon
voir ce que ça donne. Là, je vais chez le mécano. Oh, putain, mais chier. Oh, ouais, ça me fait chier, c'est terrible. Bon, ouais, du coup, on se retrouve là-bas et puis je vous tiens au courant de ce qu'il en est. Par contre, mis à part, point positif, mis à part le pont cassé, enfin le bloc cassé, il fait toujours un aussi gros bruit. Hein. Ah, je ne m'en lasserai jamais. Alors là, oh, c'est beau, c'est beau. J'adore vraiment, c'est un peu tuning, c'est sympa. C'est juste ce qu'il faut en fait. Genre quand tu fermes les vitres, t'entends rien. Genre regarde, je vais te faire un petit essai. Tu fermes les vitres, t'as beau accélérer, t'entends rien. Tu peux faire des kilomètres et des kilomètres avec... tiens, c'est moi qui passe les... tu peux faire des kilomètres et des kilomètres avec la ligne là, mon gars. C'est agréable, c'est confort. Moi, je la vends encore, parce que c'est un bon effet sur mesure. Pas un placement de produit pour moi-même, mais en vrai c'est sympa. Parce que moi j'ai un pote, moi il en a fait un, mais j'ai vraiment full tube. Hein. Elle est... Ça fait un bon bruit, même de trop, tu vois. Genre elle s'est limite chiant à force. Que là c'est agréablement bien. C'est sympa, comme dirait les jeunes. Donc voilà. Putain, ce petit bruit, vous le sentez pas, tu l'entends pas, hein, mais vraiment mon gars, dans le volant ça tire tout droit d'une force horrible. Vraiment c'est de la merde. Je vous conseille vraiment pas de rouler avec un bloc. Enfin tu me diras, c'est pas conseillé déjà de base. Mais là mon gars, pour qu'il y ait un petit triangle, bisous. Bon ok voilà. Bon allez, on se retrouve là-bas les jeunes. Bisous. On a démonté le pont, la barre power évidemment elle est pliée, la vidange du pont bah, elle a été faite, hein, ça c'est fait, donc on a démonté le pont, on a démonté la transmission, c'est beau hein, quand c'est neuf, hein. Putain, ça pareil, bon là de l'autre côté, peut-être un joint aspi à faire, donc là il y a un joint aspi à faire. Et puis bah tu vois bien, en fait mon bloc il était resté bloqué parce que la capsule est pliée et du coup ça revenait pas correctement. Donc là on change la capsule tout simplement. Parce que regarde la gueule de la barre pour un joli arc de cercle là tu vois, donc on a démonté la capsule là-bas au fond. Et puis bah, on va reposer une capsule neuve et puis bah bisous, ça sera reparti hein, pour 5000 km. Bon alors ça c'est l'ancienne capsule. Et alors bisous, et ça c'est la nouvelle. Il y a une légère différence. Il y en a une qui est pliée et pas l'autre. Du coup, c'est pour ça que mon bloc il était resté bloqué. Donc, bah, nickel. Quoi. Enfin, bien. Bon, du coup, bilan de l'affaire. Là, je repars. Il est 6h. Donc, je repars, il est 6h. Depuis 2h, je suis là-haut. Donc, ça fait un peu de temps pour démonter quand même le pont. Au final, bah, comme tu as vu juste avant, c'était la capsule qui était explosée. Du coup, ma fourchette qui se déplace dans le, pour commander mon différentiel, bah, elle était explosée. Enfin, la fourchette n'était pas explosée, mais genre la capsule faisait mal son boulot. Du coup, le différentiel, le bloc était tout le temps activé. Donc, bah, c'était la merde. Donc, on a démonté tout ça. On a changé la capsule, on a changé la barre power, comme tu as vu. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait deux joints aspi, j'ai remis mes roues, machin. Donc il y a eu un peu de taf de fait, vidanger le pont. De toute façon, t'étais obligé. Donc, ouais, il y a un peu de boulot. Ça s'est passé bien. Ça s'est bien passé. Il a fallu démonter les disques et tout. Enfin, bref. Donc, toujours pas de nouvelles de mon bandeau. Pour mon bandeau qui se met au-dessus.
dessus là, donc on verra bien semaine prochaine, j'espère. Ce week-end, le 17-18 juillet, on va à Cons faire une petite sortie 4x4, donc il y aura une petite vidéo aussi qui sortira après celle-là normalement. Et puis, ça se coule là-dedans. Et puis, voilà. Donc, petite facture quand même, petite grosse facture pour le truc, enfin ouais. Donc voilà, petit conseil, évitez de casser les capsules parce que 9 ça vaut 900 ADI boîte, là je l'ai eu presque moitié prix. Chez Nissan, t'achètes une capsule 9 chez Nissan, ouais c'est 900 balles. Là c'était, moi comme je te dis, moitié prix. Ils m'ont fait vraiment un bon prix là-dessus et puis ça a pu un peu faire diminuer la facture. Mais bon. Bon du coup les jeunes, évitez de casser des capsules, c'est tout ce que je peux vous dire. Par chance, on a cru que c'était dans le pont, donc fourchette ou quoi que ce soit qui était plié, pas cassé, pas de limaille, rien du tout, vraiment là-dessus j'ai vraiment eu de la chatte, mais terrible, enfin vraiment un truc de ouf. Du coup voilà, donc on verra pour l'instant pour combien de temps on est reparti. La prochaine fois, ce que je fais une prépa moteur. Ça aussi, ça arrive là, fin du mois. Prépa moteur, renforcé. Du coup, on va mettre une taupe pour renforcer ma capsule. Et puis, de toute façon, pour la prépa moteur, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, sur ce que j'ai fait et tout, comme je fais mes courroies aussi, ma distri. Donc, voilà. Bon, les jeunes, on se laisse là. Abonne-toi, vas-y, clique, abonne-toi, parce qu'il m'en arrive des emails. Entre mon bandeau qui se décolle et puis mon blog qui reste activé. Bref. Bon, du coup, abonne-toi et puis, à la prochaine petite vidéo, enfin prochain vlog, ça sera sur la sortie 4x4 du T7-18. Et puis voilà. Et puis on se retrouve là-bas les jeunes. Bisous. Allez, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir.